On commence le dimanche avec des machines. C'est que des habits d'Alia. Tout la même. Après tout, vraiment, genre le dimanche, c'est repos, ménage. Voilà, pour tout le monde. Bon courage. Et d'ailleurs, bon courage à tous ceux qui travaillent. Ah voilà, je suis assise avec Alia dans son jeu, dans son parc à jeu. Et madame ne veut plus être allongée, elle veut que être assise. Dès que je l'allonge, elle est pas contente. Voilà. Assise comme ça. Regardez comment elle est contente. Un peu y aller pour faire aller. Vous voyez comment elle tient bien assise maintenant? Moi, je reste toujours quand même derrière elle, on ne sait jamais. Mais regardez, elle tient trop bien assise. C'est de la musique. Aya Nakamura. Aya Nakamura. Et nous, avec Jean, on va faire des pizzas pour son jour. Voilà. On va se faire des petites pizzas. Je vous remettrai la recette. Oh. Ah, c'est il y a trop de jouets là-haut. Là. C'est plus quoi prendre. Tu fais ça. Coucou. Bravo! Là, on a le chef Alia qui va surveiller ses deux commis. Thank you.
Voilà, celle de G. Je crois que tu étais un ancien pizzaïolo, chérie. Et la mienne. Non, mais la mienne, elle veut rien dire. C'est un triangle. Mais qui a dit qu'une pizza, c'était rond, de toute façon? Voilà. Mais le plus important, c'est le goût à la fin. Parce qu'on n'a pas mis les mêmes choses. À peu près, mais pas... Là, il va me rajouter un peu d'huile aussi, d'olive. Voilà. Super. Et ça va au four combien de temps, chérie? 20 minutes. Donc voilà, donc ça c'est ma pizza. Donc il y a une forme de triangle et celle de G qui est beaucoup plus belle. Et voilà. Donc là, on met sur les plaques. Oula, ouais, t'es chaud, hein. Oh, oh. Tu m'aides pas, toi, tu filmes. Ta pizza. Regardez la gueule de ma pizza, sérieux. Tu devrais me remercier. Déjà qu'elle était pas belle. Tu devrais me remercier, elle est plus belle que quand tu l'as faite. Pardon ? Mais c'est une blague. Regardez la tête de la pizza. Il y a une partie où il n'y a carrément plus rien, là. C'est de la pâte. Et regardez celle de Monsieur G, s'il vous plaît. Voilà. Il a voulu saboter clairement ma pizza. Elle essaye de s'endormir ou elle fait de la musique avec les barreaux. Regardez-la. Là, elle vient de récupérer une tétine. Elle va pas réussir à la mettre. Voilà. Fallait lui mettre. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Adia, monte ta tête. Monte la tête. Coucou. Coucou. Bon, j'espère que vous passez un bon dimanche. Voilà, donc, franchement, ça a été repos. Demain, je suis hyper contente parce qu'on va faire un make-up, une make-up artiste qui vient à la maison. Je me refais une tête un petit peu. Make-up artiste qui vient à la maison pour nous faire notre maquillage d'Halloween. Donc, on va pas fêter Halloween du tout, mais en fait, je veux trop une belle photo pour le premier d'Halloween d'Alia. Donc, on veut une photo... avec G et Alia. Alia, je vais acheter une petite robe pour Halloween, trop mignonne. Elle, bien évidemment, je vais pas la maquiller. Hein. Mais on va lui mettre une petite robe pour Halloween. Et nous, pour le coup, il y a une maquilleuse qui vient. J'ai un maquillage hyper précis que je veux pour G et moi. J'espère que ça va vous plaire. J'ai vraiment trop hâte. Et donc voilà, donc, demain, elle vient à la maison. Elle nous fait ça. Ça va être trop cute. Pour la poster, en fait, mardi. Pour Halloween, mais sinon on fait rien, je fête pas Halloween. D'ailleurs, on l'a fêté, je pense qu'il y a déjà assez de misère dans le monde pour fêter Halloween. Et puis c'est quand même la fête des morts, donc voilà. Quand Alia sera un peu plus grande pour aller chercher des bonbons, c'est trop mignon pour les petits et tout, mais cette année j'ai pas envie de fêter Halloween, de toute façon elle est trop petite, mais j'avais trop envie de faire un petit make-up. Avec Alia et G pour une belle photo. Voilà. Ça va être sympa. Demain, c'est ça au programme. Ah. Et là, je suis en train de me préparer parce qu'on va faire un petit challenge avec G. Challenge TikTok que je vous posterai après. Je pense que ça va être marrant. Voilà. On va essayer de poster un TikTok par semaine avec G. Challenge Coupe, ça va être sympa. Si vous avez des idées, donnez-les moi. Et là, j'en ai trouvé un cool. Donc, on va voir. Non, hein. Ça, c'est fait.
Voilà, je veux juste me refaire un petit peu une tête. J'étais déjà maquillée, mais vu qu'on s'est un petit peu allongé et tout, mon maquillage qui est un peu parti. J'ai reçu l'album photo que j'ai fait. Le deuxième album photo que j'ai fait pour Alia. Après, ça sera un peu plus grand. Il est magnifique. Il y a des photos souvenirs dedans. Trop belle. Je vous montrerai. Elles sont trop canon. Je me fais trop mes photos préférées. Voilà. On a fait aussi un calendrier pour la rentrée. Ça, je vais l'accrocher. Vous voyez, janvier. Avec nos photos et tout. Elle est trop belle cette photo. Franchement, trop canon. Je t'en sens. Ça, elle est là. Trop beau. Ouais, plein de photos. Et bien évidemment, en avril, vu que c'est la naissance d'Alia, j'ai mis sa première photo quand elle est née. Regardez cette première photo d'Alia quand elle est née. Petit cœur. Photo d'Alia. La première. Et là, elle a encore des trucs dégueux et tout, les yeux gonflés, le bonnet de la. On en parle, je crois que je suis la meuf qui a le plus de compléments alimentaires pour. pour tout. Ça, cette gamme-là, je la prends pas pour les autres. Voilà, je la prends pour cheveux et ongles. Allez. Il me reste la moitié. Il me reste même pas la moitié, il me reste la fin de la boîte. Voilà. Donc ça là, c'est pour cheveux et ongles. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Ensuite, ça, c'est pour le visage. Et ça, c'est tous les matins. Donc c'est pareil. Celle-là, il me reste la fin de la boîte. Pour le boost au Nigel. Là, j'ai tous les trucs. Je trouve trop belle. Donc tout est posé là. J'ai aussi ça que je mets tous les soirs. Biopousse pour mes cheveux. Odorant là. J'ai des odorants partout. Ça. Ça, c'est le sérum un petit peu brillant. Ça, je ne l'ai pas encore testé. Crème hydratante. Avec du green tea. Voilà. Ça, c'est mes petits trucs détox pour les yeux. Ça, c'est pour la journée. Enlever les poches. Voilà. Et j'ose même pas vous montrer le tiroir là parce que c'est le spul total. Regardez. Faut que je les trie. Faut qu'on les trie ensemble, la fille. Faut que je les trie. Je sais pas comment faire. Faut que j'achète des petits trucs. Enfin, c'est un bordel monstre. J'entends Alia qui mordrait avec son père. Je sais pas si vous entendez. Non, ce soir aux cheveux, parce que demain pour la photo, je veux les cheveux lisses avec le make-up que je vais faire. Donc ce soir, je vais mettre un soin Botox que je rincerai demain matin sur tous mes cheveux. C'est l'impression là qu'ils sont secs. Demain, ça va être soin Botox. Ça, je voulais trop essayer. J'ai des trucs. Mais c'est déclassé. Vous avez déjà fait ça? Tiens, je vais faire. Dans un bol, versez une fiole de Magic Reaper et l'équivalent d'une fiole en eau. Mélangez jusqu'à obtenir une texture crémeuse et appliquez des racines aux pointes. Laissez agir 1 à 2 minutes avant de rincer et de sécher. À faire une fois par semaine pour un résultat optimal. C'est déclassé, des petites fioles comme ça. Magic Creeper, vous avez déjà testé ou pas? J'avoue que ça, j'ai pas testé. Je vais tester par contre. Je vais le faire.
soin réparateur extrême pour cheveux cassants, ternes et abîmés. Hydratation et brillance longue durée dès la première utilisation. Bon, on va peut-être le faire ce soir. Si j'avais pas la flemme ou demain. C'est un tout ça. Putain, j'ai des trucs. Là, ça, j'en ai partout. Du buzz. Parce que là, c'est du n'importe quoi, mes tiroirs. Incroyable. J'ai les cheveux trop secs. En même temps, aujourd'hui, j'ai rien fait à mes cheveux. Je les ai même pas coiffés ni rien ce matin. Au moins un minimum, quoi. Pour faire la vidéo TikTok. Voilà. Et pour les filles qui me demandent, mon t-shirt, il vient de chez Bershka. Je sais pas s'il y est toujours. J'ai acheté chez Bershka. Oh. Je me suis dit, j'ai pas démêlé mes cheveux la journée. Même ça. Voilà. Hop. Ça fera l'affaire. C'est bon. Ça, je vous laisse de sortir. Et voilà. Ça ferait l'affaire. Bon, là, c'est parti, hein. Alors, je pense que vous connaissez tous la marque Blinks. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour celles plutôt qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous en reparler. Mais maintenant, pour si vous me suivez depuis un petit moment, bah, Blinks, c'est la marque que je parle, dont je parle depuis 5 ans, que je porte depuis 5 ans. C'est des culottes menstruelles. Donc là, j'en ai une, voilà, que j'ai portée toute la journée. Et pourtant, je n'ai pas mes ragnagna. Mais quand je suis à la maison, je me sens tellement bien dans ces culottes taille haute que je porte tout le temps. Voilà, c'est vraiment les culottes taille haute préférées que j'aime trop. Donc à la base, c'est des culottes de règles. C'est-à-dire que fini tout ce qui est tampon, fini tout ce qui est serviette. Grâce à ces culottes-là, ça va venir remplacer tout ce qui est tampon et serviette. Mais avec des points positifs. Tout simplement parce que tampon et serviette, c'est hyper, hyper nocif pour notre santé. Ça peut provoquer des chocs toxiques, des infections. Tout ce que ne peut pas provoquer ces culottes-là. Ces culottes-là, en fait, voilà, c'est une culotte avec une matière assez agréable, donc trop trop bien. Et qui va aussi nous permettre de faire des économies. On va pas se mentir, tampon et serviette, c'est un vrai budget pour nous, les filles et les femmes, tous les mois. Enfin, pour moi, c'est un vrai budget, parce que ça fait maintenant 5 ans que j'en ai plus. Mais c'est un réel budget. Et là, pour le coup, ces culottes-là, on les garde au moins 5 ans. On les lave en machine. Donc, en fait, quand vous avez vos règles, vous les rincez d'abord à l'eau. Et vous la mettez dans la machine, ça sèche très rapidement. La matière est faite que, bah, pour que ça sèche très rapidement, pour que ça soit réutilisable. Et aussi, vous inquiétez pas aussi, quand vous en commandez, vous commandez un lot, c'est 3 culottes que vous recevez. Donc, vous pouvez alterner dans la journée. Et grâce à ces 3 couches absorbantes qu'il y a dans cette culotte, bah, ça vient absorber tout ce qui est sang, perte, fuite, enfin voilà, vraiment ça absorbe tout. Je vais vous montrer sur une culotte avec de l'eau, donc l'eau, faut savoir que c'est beaucoup plus liquide que nos règles, mais pour vous montrer comment cette culotte absorbe le liquide très rapidement, et c'est grâce à cette absorption, en fait, à ces 3 couches d'épaisseur qu'il y a dans les culottes, que bah, y a zéro risque de fuite. Donc là, c'est le modèle que je porte,
Donc, j'en ai plusieurs, mais c'est exactement le même modèle que je porte. D'ailleurs, c'est celle que je portais pendant ma grossesse parce que j'étais trop à l'aise, ça me prenait bien le ventre. La matière, comme je vous ai dit, trop agréable. Donc, je dormais qu'avec des culottes comme ça pendant ma grossesse. Et c'est celle que je portais la nuit après mon accouchement. Vous savez, on perd beaucoup de temps après l'accouchement, le postpartum. Donc ça, ça m'a sauvé la vie. Elles étaient nickel. Et c'est celle que je porte la nuit, d'ailleurs, quand j'ai mes ragnagnas. Et la journée, donc je ne vais pas porter ce type de culotte la journée. J'ai plus porté en dessous mes pantalons, mes jeans, ce type de culotte-là. Donc c'est pareil, c'est des culottes menstruelles, donc avec trois couches d'épaisseur. Mais vous voyez, donc ce type de culotte, des culottes simples avec une matière hyper agréable, une matière aussi qui permet à ce que en dessous un jean ou un pantalon, on ne voit pas la trace de la culotte, et hyper jolie avec de la dentelle comme vous pouvez voir. Donc c'est ça, on reste féminine même quand on a nos ragnagnas. Ou alors vous avez des modèles aussi comme ça, vous avez plusieurs modèles et plusieurs couleurs sur le site, hein. Voilà, je vous laisse aller regarder, mais ça c'est mes modèles fétiches, celles que je préfère. Mais regardez comment elle est trop belle celle-là. Vous voyez, trop belle. Sachez aussi qu'il y a plusieurs tailles chez Blinks et il y a plusieurs, comme je vous ai dit, modèles. Vous avez des strings, des tangas, des culottes hautes, des boxers. Vous avez de tout, des culottes, selon le style que vous mettez au quotidien. Mais moi, voilà, la journée, ça va être plus des culottes comme ça. Et le soir, ça va être plus des culottes taille haute, les filles. Maintenant, je vous montre et après, je vous donne un super code promo si vous en voulez. Regardez, j'ai mis un sopalin en dessous pour vous montrer qu'il y aura zéro fuite. Hop. Regardez comment ça absorbe. Hyper, hyper vite. Voilà. Donc là, ça rentre à l'intérieur. Oui, j'en mets un petit peu partout comme ça pour vous montrer qu'il y a zéro risque de fuite partout. Voilà. Donc là, ça a absorbé. Maintenant, on fait ça. Et là, vous pouvez voir, c'est tout sec. Donc ça, c'est vraiment cool, vraiment tout sec. Donc si toi aussi, tu es comme moi, tu as envie de faire des économies, tu as envie de préserver ta santé et tu n'as plus envie de te prendre la tête et être à l'aise pendant tes périodes de règles, et ben fais comme moi et prends des culottes menstruelles de chez Blinks. D'ailleurs, je vous donne un code promo de moins 50%. C'est énorme, j'en donne jamais des moins 50, mais là, il y a moins 50% sur tout le site et surtout, il y a la livraison aussi qui est offerte. Et puis, vous faites une bonne action parce qu'il y a toujours Octobre Rose chez Blinks. C'est une marque très engagée pour les femmes et tout simplement, à chaque commande avec mon code promo, il y aura 1 euro reversé à une association qui lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose. Donc foncez, vous avez le code, vous avez le lien et foncez les filles. Regardez, elle n'est pas du tout nerveuse cette petite fille. T'as cru que c'était une glace ou quoi, Lien? Maria Carré is in the place. Allô. Allô, allô. Allô. C'est quoi ce sourire? Oh, on est fatigué, hein. Oh. Allô, bonjour. Allô? Oui, t'es pour Alia? Alia? Tiens. Allô? Allô? Dis allô? 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 Oh. Oh. Allô, allô? Ta tête. Bon, Alia, elle est KO, donc elle dort. Je suis contente, on a fait manger et tout. Elle était KO, elle s'est endormie. Et moi, du coup, je vais profiter, vu qu'il est assez tôt, de prendre soin. D'ailleurs, je vais vous redonner un code pour les gants exfoliants satinés. Ça, c'est vraiment les meilleurs des gants. Il n'y a pas besoin d'eau, de produits. Il y a juste besoin d'eau, justement, et du savon. Et ça vient exfolier toute la peau, nous la rendre du coup plus lisse. Ça nous la purifie, ça nous l'illumine, ça enlève tous les problèmes de peau aussi qu'on a. J'utilise sur tout mon corps. Et vu que je vais mettre mon petit autobronzant, au moins, j'aurai la peau parfaite.
Voilà, mon snap il passe pas, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je sais pas si vous allez voir ces stories. Mais voilà, et dégoûté. Match OM, OL annulé. On était devant. Voilà. Annulé. Mais c'est pas grave. On va regarder un film, ma chérie. Bah oui. Voilà. Parce qu'on va pas regarder ça. Hein. Toulon. De l'autre côté, là.